Et coucou, on se retrouve pour un petit haul, petit, moyen, petit, haul Temu. Hier, vous aurez sûrement eu celui de Action. Et en fait, j'ai fait celui d'Action, le lendemain, j'avais le colis Temu, donc j'en ai un autre que pour finir, j'ai dû recommander parce que j'ai oublié les choses qui est arrivée. Ouh là, la boîte, elle a eu chaud là. On va voir. Je vais vous montrer donc petit à petit, enfin, je vais essayer de vous montrer ensemble les choses. J'essaie de prendre tout en même temps. Donc ça, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà une idée de ce que c'est. Et un petit dernier, je pense. Voilà. En fait, c'est tout simplement, je vais vous en montrer un, forcément. Ben, je pense que je vais le garder. Excusez-moi pour le bruit d'avance. Bouchez-vous les oreilles. Voilà. Oh là, celui-là, il est un peu abîmé. Je vais le garder pour moi celui-là, mais par contre, je vais faire une photo et le renvoyer. Il faudra que je vérifie les autres. C'est tout simplement un. Oh, c'est le. Comment? Le robinet, enfin le truc qui se met. C'est tout simplement un format A6. Ici, vous pouvez soit faire un petit agenda, un carnet de notes. J'ai acheté aussi des recherches. Ben, là. Voilà. Pour faire un petit carnet de notes, tout ce qu'on a envie de mettre sous la main. Moi, je pense que je vais mettre, par exemple, concernant tout ce qui est médical, enfin, tous les petits trucs que j'ai vraiment pensé pour mettre dans mon sac. Ouf, je pense que je vais faire ça. En plus, j'en avais un, mais j'avais envie de changer. Surtout que celui-ci, comme il n'y a rien, je vais pouvoir le personnaliser. Ce que j'ai commandé sur AliExpress, c'est du vinyle imprimable, imperméable. Tac, tac, tac. Je dois le recevoir bientôt d'ailleurs. Donc voilà, moi j'en ai pris deux en rose. Il y en a un que j'ai personnalisé pour quelqu'un d'autre et un pour moi. Mais celui-là, par contre, je vais faire la photo. Je suis désolée, mais il est abîmé. Je l'ai pris en violet, en mauve. Enfin, plus lilas. C'est plus couleur lilas. Je sais pas si vous verrez bien avec les. Est-ce que j'ose pas. Ils ne sont pas pour moi, donc je ne vais pas les. Comment. Les sortir de l'emballage avant pour éviter qu'il y ait de la poussière dessus. Donc il est mis purple, mais. Enfin, donc ça c'est le deuxième qui est en rose, donc celui-là il n'est pas abîmé, c'est génial. Il est en bleu, franchement ils sont trop mignons. Et je sais pas si vous avez vu, parce que je vais vous montrer quand même vite fait. Oups, donc, et vous l'avez aussi en jaune, parce que j'avais vu lui qu'il avait personnalisé avec cette couleur-là, c'était magnifique. En bleu, et en fait voilà, je vous ai même pas montré l'intérieur vraiment. Vous avez des petites pochettes. Voilà, c'est 6 anneaux. Vous avez une petite pochette là, une autre ici, si vous avez encore envie de glisser des choses. Et donc, j'en avais acheté, je pense, combien il y en a? J'essaie de ne pas tout faire tomber. Il y en a 3. Il me semble que j'en avais pris 4. Le 4e va être quelque part là-bas, mais j'ai peur de tout faire tomber, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, j'ai aussi acheté des pochettes, mais ça, je vais vous les montrer quand je tomberai dessus. C'est les petites pochettes. J'en ai déjà. Ah ben, le blanc. Ce sont des petites pochettes donc pour le format A6. Moi, en fait, c'est à la fois pour mettre dans mon carnet si je veux glisser des petits tickets ou l'eau dedans. Mais aussi, je m'en sers, c'est quand je. Voilà, tout simplement des petites pochettes. Comment je vais dire par exemple, moi, les dice où il y a beaucoup de détails, où c'est les personnages qui a vraiment les petits yeux, nana. Surtout ceux de Disney avec. Pardon, excusez-moi, j'ai mon nez qui chatouille avec Mickey, Minnie ou. En fait, tous ceux qui sont Disney, ben, je les mets dans des pochettes séparées avec la petite photo. Parce que ça évite de perdre les pièces un peu partout. Sinon, c'est un peu embêtant. Et je ne sais plus combien j'en avais pris dedans. Combien est-ce que j'en avais pris? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11, 12, 14, 15, 16, 17. Oui, il devait en avoir ce 20, je pense, les gens s'en étaient passés. Donc voilà. On va faire un mélange de ça et des petites pochettes. Tac. Ensuite, c'était quoi? Ah oui, ça c'était. Oui, c'est bien ça. C'est tout bête, je ne sais pas si. Ben, je vais vous l'enlever de toute façon de l'emballage. Il faut juste que je trouve l'ouverture. Eh, mais qu'est-ce que j'ai à parler en allemand? L'ouverture. Voilà, elle est là. En fait, c'est tout bête, c'est pour laver le pommeau de douche. Il y a des petits trous partout. C'est fou, je regarde ça en même temps. À ma fenêtre, il y a plein de petites mouchettes.
Il est tout petit. Ça, c'est signe d'orage, ça. Moi, j'adore les orages. Je suis pas normale. Voilà. C'est comme, je sais pas si vous le verrez, c'est des toutes petites, petites brossettes. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Enfin non, non, c'est même pas la peine, parce que je vais dire vous mettre les prix. Le problème, c'est que peut-être que ce que j'ai pris là, ce n'est peut-être plus dispo. Vous savez, c'est comme AliExpress, au bout d'un moment, des fois, et les prix changent, donc... voilà. Ça, c'est un dice. J'ai trop hâte de l'essayer. Ça doit être magnifique sur une carte naissance. Mais vous avez la petite photo, génial. Regarde, je sais pas si vous le verrez. Voilà, ici. Là. Vous avez la photo de ce que ça donne. C'est un petit ourson qui est soulevé par des ballons. C'est trop, trop magnifique. Je vais faire, je teste assez vite. Ça, ah ben voilà. Ça, c'est les fameux pansements que je vous ai parlé dans le haul de chez Action. J'avais repris des pansements, que j'avais coupé des petits morceaux pour mon insuline du soir. Et en fait, ben, j'avais recommandé cela parce que je trouve que c'est plus simple. Ça prend moins de place. Parce que c'est bête d'utiliser un grand pansement pour une petite piqûre de rien du tout. Et mais tu vas pas me résister, hein? Il est là ce truc en plus. Voilà. C'est ce qu'il y a vraiment dans les. J'aurais encore travaillé en tant que secrétaire médical. J'aurais demandé bien à mon patron, mais comme je ne travaille plus dans ce domaine-là. Vous voyez, c'est les tout. Vous verrez peut-être la transparence. C'est les tout petits. Ah, oh, bah alors voilà. Les petits ronds comme ça. Je sais pas si vous les verrez. Voilà, vous en avez 100 dedans. Bah, ça, j'ai de quoi faire. Parce que je n'en utilise pas toujours quand ça ne saigne pas. Ben, pas besoin d'en mettre. Ça, c'est les anneaux. Pour quand je fais soit des porte-clés, soit des bijoux. Enfin, ce qu'on veut. J'ai pris ça. C'était intéressant. Je ne vais pas les sortir parce que j'ai pas envie de tout faire tomber, sinon je suis mal. Vous voyez, c'est les petits anneaux, tout simplement. Je les ai pris en doré et en argenté, mais je pense que par après, j'en reprendrai en gold. C'est le problème. Avant, Temu, c'était un minimum d'achat de 10 euros. Maintenant, c'est monté à 30 euros. C'est ça que moi, je trouve ça, c'est un truc qui me fait tiquer. Parce que des fois, s'il faut que 2-3 trucs, maintenant, on est obligé d'attendre que le panier atteigne 30 euros. Ça, c'est un dice joyeux Happy Birthday. Ouais, c'est ça. Bah ouais, joyeux anniversaire, rendu. Parce que je ne l'avais pas en tout petit. Évidemment, je n'ai pas trouvé en français. Du coup, je l'ai pris Happy Birthday. En même temps, on sait bien ce que. Hein, c'est un peu universel. Ça, par contre, c'est génial. Je vais vous l'ouvrir parce que c'est caché avec l'étiquette. Surtout si on veut faire du vintage. Ça faisait un moment qu'il était dans mon panier qui me faisait de l'œil. Là. C'est pour faire des tickets. Alors ça, vous prenez, vous utilisez un papier, genre déjà vintage que vous avez des fois chez Action ou autre part. Vous le vieillissez un petit peu, vous mettez une petite écriture dessus. C'est dommage qu'il n'y a pas les petits... Des tampons où on s'écrit des tout petits chiffres, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je trouve que ça, c'est génial. Ça fait des petits tickets à glisser, c'est génial. Non, je suis un peu distraite parce que je regarde en même temps chez ma voisine, juste qui est en face. Ça va, ça, t'es juste en face de ma cuisine et il y a une tourterelle qui a fait... Son nid là au-dessus. Bon. Ensuite, on prend hasard. C'est quoi qui vient? Ah oui. C'est les. J'en avais déjà pris 3. J'avais pas osé en prendre plus. Je me dis si je n'aime pas au cas où. C'est les mêmes, ça. Enfin, je vérifie avec ceux que j'ai déjà pris. Moi, quand je recopie les tutos que je trouve sur internet, c'est sur au propre. Moi, j'aime bien ce genre de stylo-là. Oui, je pense que c'est le même que l'autre. Je vais regarder. Avant, il les faisait chez Aldi. J'adorais ceux-là, mais là, ils ne les font plus. C'est embêtant. Parce que j'en ai déjà vu, mais soit ils écrivent trop fin ou c'est pas le bon bleu. C'est un bleu, mais un bleu bizarre. Donc, j'en avais pris 3. Ensuite, on va à la pêche. Ah, j'en ai encore un de carnet en noir. Ah, ben, t'étais où, toi? T'étais où? Ah, ben, je vais prendre, c'est la boîte qui est ici, mais elle est cabossée, hein. Je sais pas, ils ont joué au football ou au catch avec, mais en plus c'est mon. Ouais, en plus j'espère que ça fonctionne, hein. Sinon au moins ils remboursent. On rigole pas. C'est un aspirateur de cou. un aspirateur, oh là là, un ventilateur de cou. Oh ouais. Ah, c'est génial. Ouh, il fonctionne. Apparemment. Eh, mais éteint. Eh, mais plus éteint. Oh, il faut essayer d'appuyer. Au début, j'avais voulu en rose, mais il était en rupture. Du coup, j'ai dû prendre bleu. Forcément, moi, je voulais rose, mais il y a un peu de rose gold. Hein, ici.
Et il se recherche apparemment avec une prise USB, mais est-ce qu'il y a le truc ou alors ça a une prise standard, je suppose. Ah non, il y a la prise, voilà. Mais je suppose que c'est une prise standard, hein. Donc il se recherche par USB. Et c'est chouette, c'est vraiment... je vais dire, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Enfin, c'est que le temps pourri qu'on a, mais je pense que oui, ça va être chouette quand il fait vraiment chaud, 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 mettre ça au niveau du cou. Je pense que je vais montrer ça à mon père, il va rigoler. Il va. Bon. Ah oui. Ah zut, ne me dis pas qu'il y a que l'écriture dessus. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai la blague avec 2 vendeurs différents. Je vais devoir passer mon temps à enlever l'écriture. En fait, moi j'avais pris ça parce que je voulais. Comment? Voilà, c'est normalement un cœur en acrylique. Et comment? J'espère que je saurai l'enlever, sinon ça va être ballot. Parce que moi je voulais mettre un petit truc pour ma maman, pour mettre sa tombe. Et j'avais eu déjà le cadeau soir, du coup je l'ai fait pour la tête de mon. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis ce truc, celui-là. Je pense que je l'ai ici parce que je l'ai mis sur le côté tout près de moi. Non. Alors je l'ai mis vraiment à place quelque part. Petit, petit, petit. Ah non, il est là. Du coup, en fait, mon cousin qui a perdu sa petite de plus de 3 ans et demi, ça fera 1 an en juillet. Et je me dis, bah, je vais garder le cœur, je vais lui faire pour elle. Ouais, comme ça. Vous voyez, je lui ai mis mini, j'ai mis petite hanche Emma, voilà. Et je me dis, bah, ce n'est rien, je vais en recommander un pour ma maman. Enfin, mais le problème, c'est que sur les photos, oui, il y en a qui sont inscrits, mais il y en a, ils sont vierges. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien dessus. Donc je me dis, c'est bon, c'est vraiment des ceux à personnaliser soi-même. Et ils mettent juste des exemples, mais non, c'est écrit dessus. Mais moi, je ne veux pas d'écriture. À la limite, la rose, oui. La rose, elle est belle, qui est ici, donc je vais la laisser. Mais je vais tester, voir. Oui, je vais sur le côté ici, je vais regarder. L'autre, j'ai su enlever l'écriture, mais celui-ci, ouais, ça va, j'ai mon nom, j'ai déjà enlevé un morceau. Oui, donc je vais. En fait, vous avez là une espèce de spatule dans le kit Cricut. Et moi, ce que j'ai fait la dernière fois, bon, c'est quelques petites traces un peu, mais bon, pas le choix. Ça y est, tout doucement, enlever ça, quoi, parce que je m'en fous, hein, de... En plus, excusez-moi, mais... Can't shots, it's where ditch. Je suis désolée, mais je sais même pas si c'est de l'allemand, du flamand, ou je sais pas quoi, mais moi, c'est pas vraiment ça. Donc, ben, tant pis. En plus, le cœur, il est bizarre, du coup. Eh ben tant pis, je vais enlever l'écriture, hein, mais je vais quand même lui renvoyer un petit message qui précise bien que l'écriture est... S'ils auraient mis que des cœurs avec des écritures dessus, je peux comprendre, j'ai fait l'erreur. Mais là, il y en avait où il n'y avait rien dessus. Donc je me dis, ça va, c'est des vierges. Mais apparemment, oui. Et ça me compte. Ah ben ça, c'était encore un petit... une petite recharge. C'est quoi ce gros machin? Attendez. Faire un peu de bruit. Là, plein de bruit. Je sais même pas c'était quoi. Ah oui! J'ai eu un trou! J'ai eu un trou, je me dis. J'ai non, c'est pas possible que ce soit le panier pour ma chienne praline. J'ai ça vient par AliExpress, c'est pas. Et en plus, il est trop petit. J'ai bugué là. J'ai bugué. Mais après, ça va, j'ai compris. C'est tout simplement. Ouh. Il y en a quoi? Retourne là-dedans. Excusez-moi pour le bruit. C'est des tote bags. Mais noirs. Ça dégage. Ah, je sens que j'ai terminé. Non, non, non. Si, non, si. Je pense pas. Pardon. Je suis désolée. En fait, c'est en noir parce que je les ai en blanc. J'en avais commandé sur Amazon. Ils étaient beige. J'en avais commandé sur Temu blanc. Mais j'avais vu des modèles. Noir à écriture blanche qui était magnifique. Je me dis, j'ai envie d'essayer. Donc, je pense bien que je m'en rendrai un noir pour moi. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Mais je pense que, voilà, moi, j'aimerais mieux écrire. Ou alors, même, pas forcément écriture blanche, j'ai du rose, même du rose gold. Ça peut aller dessus. Donc, voilà, ils font. Je sais bien qu'ils sont plus petits que les beiges que j'avais achetés sur Amazon. Ils font 30. T1 sur 36, mais il me semble que ceux d'Amazon sont un peu plus grands. Mais à mon avis, vu quand c'est des couleurs pas spéciales, mais autres que le beige classique, à mon avis, ils sont peut-être plus petits, j'en sais rien.
Voilà. Ici, je pense qu'il y en avait 12 dedans. Je ne suis pas certaine, mais ils sont tous 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 6. 6, alors peut-être qu'il y en avait dedans. Mais bon, moi, c'est juste pour moi ou pour... si je veux en offrir ou l'autre. Donc, j'ai pas ça. Donc, je fais pas de... comment? J'ai pas mon commerce. J'ai rien. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des grosses quantités. C'est largement assez. Donc, voilà. Vous voyez, c'était combien de temps? 15 minutes. Ça va. C'était potable. Ici, je vais tester les dyes. Donc, j'ai celui-là. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Celui-là, ça va être vite. C'est juste testé vite fait. Celui-là, ben, je vais directement faire avec les bonnes couleurs. Comme ça, je le mettrai de côté s'il y a une petite carte à faire. Je pense que je vais faire version garçon, version fille. Je vais vous le sortir, vous le voyez quand même un peu mieux. Vous avez vu la photo. Et avant par contre de le défaire, je vais faire la photo. Parce que moi j'aime bien quand j'ai un classeur, donc j'ai déjà dit que je répertorie tout. Donc moi j'ai toujours en fait aussi, j'ai une photo du dice fini si je puis dire. Et une photo comme ça où on voit tous les éléments. Comme ça si un jour je me dis... est-ce que ce serait mélangé ou l'autre? Je sais bien que telle chose va avec telle chose, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ben c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.